Bonjour ou bonsoir à tous. Est-ce que l'homme du futur sera un homme augmenté, capable d'y voir la nuit comme en plein jour, de transférer son cerveau dans une machine, de vivre jusqu'à 100, 200 ans, sinon plus, de procréer par l'intermédiaire des utérus artificiels? Est-ce que les progrès de la génétique et de la biologie moléculaire, ce qu'on appelle les NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information et des capacités cognitives, vont aboutir à la suppression des maladies, des handicaps, du vieillissement et peut-être de la mort, comme nous l'annoncent les théoriciens du transhumanisme, qui est à la fois une idéologie, mais aussi, il ne faut pas se le dissimuler, une pratique technologique. Voilà donc le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, le transhumanisme, et essayer de savoir dans ce discours ce qui relève des perspectives possibles, avec leurs avantages et leurs inconvénients, ce qui relève du fantasme ou de la science-fiction, voire de l'escroquerie pure et simple. Pour en parler, sur ce plateau, d'abord Olivier Rey. Olivier Rey, vous êtes mathématicien, philosophe, ancien professeur à Polytechnique. Vous avez publié de nombreux essais, des romans également. Et depuis quelques années, vous avez, sous différents angles, abordé la question des limites, avec une question de taille, notamment en 2014, puis le monde des chiffres, ou non, quand le monde s'est fait nombre, voilà. En 2016, et tout récemment, ce livre qui vient de sortir chez Desclée de Brouwer, l'heure et malheur du transhumanisme. Olivier Dard, vous êtes historien, hein, bien connu, je crois, de nos téléspectateurs. Vous avez publié quantité de livres. D'abord, vous êtes professeur à Paris 4, c'est-à-dire à la Sorbonne. Vous avez publié quantité de livres sur l'histoire des idées, l'histoire contemporaine, depuis Jean Coutreau, les années 30, Bertrand Jouvenel, plus récemment sur Maurras. Et vous avez participé également à deux numéros spéciaux de la revue Futurible, qui abordait notamment la question du transhumanisme, et vous aurez sans doute quelques précisions historiques permettant la mise en perspective historique de ce système ou de cette idéologie. Marie David, d'abord vous êtes éditrice, je crois, vous êtes directrice de l'édition Rue Fromentin, mais fondamentalement, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, vous êtes l'animatrice avec Cédric Sauvia d'une association française sur l'intelligence artificielle, dont l'intitulé exact est Association française contre l'intelligence artificielle, ce qui a au moins le mérite d'être clair. Et évidemment, la question de l'intelligence artificielle rentre tout à fait dans le cadre de notre débat. Alors, je vais me tourner d'abord vers Olivier Rey, parce qu'on se heurte là comme ailleurs à un problème de définition. Le transhumanisme, on peut le définir comment? Quel est son rapport avec l'humanisme, d'ailleurs? Question qu'on peut se poser. Et que vient faire ce trans, qui est aujourd'hui très à la mode, hein? Il y a les transsexuels, mais les transsexuels, c'est ce qui est au-delà des sexes. Alors, est-ce que le transhumanisme, c'est ce qui est au-delà de l'humain? Oui, en quelque sorte. L'idée sous-jacente, c'est que vous avez fait référence au NBIC, les nano-bio-technologies alliées aux sciences cognitives et à l'informatique. L'idée, c'est que nous sommes arrivés à un stade du développement technologique où cette technologie qui, jusqu'à maintenant, a essentiellement servi à transformer le monde autour de nous, pourrait en venir à s'appliquer à notre propre constitution, à nous modifier, à nous transformer à un degré tel que, précisément, la condition humaine s'en trouverait tellement transformée que des êtres ainsi transformés ne seraient plus des humains. Donc, donnerait lieu à des êtres d'une autre nature, qu'on pourrait appeler des post-humains,
Et de ce point de vue-là, à ce moment-là, le transhumanisme, le trans de transhumanisme est à comprendre comme indiquant à la fois l'état transitoire qu'aurait été simplement l'humanité entre l'animalité et ses post-humains. Et par ailleurs, le trans peut s'entendre aussi comme indiquant le caractère transcendant qu'auraient ces post-humains par rapport aux humains standards que nous sommes. Il y a une chose qui est assez curieuse, révélatrice, c'est le triomphalisme, au fond, de beaucoup de ces théoriciens du transhumanisme, qui sont d'ailleurs, il faut bien le dire, souvent des techniciens ou des futurologues américains, souvent liés à la Silicon Valley, des gens que le plus connu est sans doute Ray Kurzweil, mais il y en a d'autres, Max Moore, etc. Ce sont des gens qui ne paraissent pas habités par le doute. Ils sont convaincus d'être à la fois les sauveurs de l'humanité, ce qui annonce l'avenue d'une ère post-humaine qui ringardisera finalement tout ce qui s'est passé sur Terre jusqu'à présent. Oui, enfin, c'est effectivement quelque chose qui est porté, enfin, en tout cas, les promesses les plus spectaculaires sont quand même portées par des gens qui sont extrêmement coupés des réalités. En fait, c'est très induit par la mentalité cybernétique et informatique. Ce sont des gens qui viennent de ces milieux-là et qui ont l'impression que la manipulation de la matière qui a donné des résultats quand même très spectaculaires quand il s'est agi de construire des circuits imprimés, d'y implanter des transistors et de construire avec cela des ordinateurs, en fait, cette même mentalité pourrait aujourd'hui être appliquée au vivant et qu'on pourrait aujourd'hui usiner le vivant de la même manière qu'on a usiné la matière pour en construire des machines extrêmement, extrêmement puissantes. Mais ce qui est quand même tout à fait à souligner, c'est que c'est quand même une mentalité qui vient beaucoup plus de gens, comme je le dis, qui viennent de la cybernétique et de l'informatique et pas de la biologie, parce que les biologistes, pour la plupart d'entre eux, heureusement, savent que le vivant ne se manipule pas de cette manière. Oui, parce que d'un autre côté, les biologistes, pas tous, mais enfin la grande majorité d'entre eux, sont quand même conscients de la différence qu'il y a entre le vivant et l'inerte ou l'inanimé. Oui, même ben là... si, historiquement, c'est bien que la définition du vivant pose toujours des problèmes qui n'ont pas été totalement résolus. Oui, mais en fait, là, de ce point de vue-là, les gens les plus qui formulent les promesses les plus échevelées sont quand même des gens qui sont largement victimes de métaphores, qui ont leur utilité, mais qui ont aussi leurs limites qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a les premiers calculateurs électroniques qui sont apparus. On les a qualifiés de cerveaux électroniques. Et puis, dans un deuxième temps, ensuite, on s'est mis à concevoir le cerveau comme un ordinateur. Et bon, cette métaphore peut avoir, dans certains cas, une certaine légitimité, mais enfin, ça reste une analogie très lâche. Et considérer que le cerveau, c'est la même chose qu'un ordinateur, c'est là, ça devient extrêmement problématique. Et là, on peut dire que c'est un effet de langage qui induit en fait des erreurs dont ne peuvent être victimes que ceux qui ont perdu complètement le sens de certaines réalités. C'est une métaphore d'ailleurs qui est d'autant plus redoutable, mais ça on en parlera tout à l'heure, que si le cerveau n'est qu'un ordinateur, évidemment la conclusion immédiate, c'est que cet ordinateur n'est pas capable de performances aussi extraordinaires que les superordinateurs dont on nous annonce l'avènement. Ce que Ray Kurzweil appelle la singularité, en fait, ce sont des gens qui vont assimiler l'intelligence, on en parlera certainement plus avant, ce sont des gens qui assimilent l'intelligence essentiellement à de la puissance de calcul. Ouais. Et donc, en fait, Ray Kurzweil, prenant le développement de l'informatique au cours du dernier demi-siècle et prolongeant ces courbes de développement, anticipe une période dans les années 2030, je crois, où la puissance de calcul des ordinateurs excédera largement la puissance de calcul des cerveaux humains. Et donc, à ce moment-là, si on assimile l'intelligence, encore une fois, à simplement la puissance de calcul, il dit qu'à ce moment-là, des machines arriveront dans le monde qui dépasseront toutes nos capacités cognitives et qui, à ce moment-là, prendront la direction des opérations. Alors, Olivier Dard,
Quand on parle de transhumanisme, on a l'impression d'un débat très présent aujourd'hui, mais qui ne remonte pas au-delà de 10-15 ans. Mais vous, qui avez travaillé sur l'histoire des idées contemporaines, notamment dans la biographie que vous avez consacrée à Jean Coutreau, dont il faudra rappeler en deux mots de qui il s'agissait, vous pensez qu'il y a des racines à ce type de préoccupation ? C'est pas que je le pense, c'est que j'en suis absolument convaincu, oui. Et je vais essayer de vous le montrer. Effectivement, il existe au fond toute une vulgate, considérant que le transhumanisme serait quelque chose de récent, et quand d'aucuns se sont penchés sur les origines du transhumanisme, en général, et notamment donc dans le monde anglo-saxon, ils ont fait remonter l'emploi ou le premier emploi du mot transhumanisme à Julian Huxley à une conférence de 1951. En réalité, à travers effectivement ce personnage de Jean Coutreau, dont je rappelle à nos téléspectateurs d'un mot, que c'est quelqu'un qui est né en 1895 et qui est mort en 1941, c'est un polytechnicien, ingénieur économiste, c'est une des grandes figures de la technocratie française, un des grands acteurs du mouvement X-Crise, mais c'est aussi, et c'est ce qui nous intéresse à présent, le fondateur du Centre d'études pour les problèmes humains, qui organisait des entretiens à l'abbaye de Pontigny entre 1936 et 1939. Et au cœur de ces entretiens de Pontigny, il y a la question du transhumanisme. Et Jean Coutreau parle, en mai 1939, du transhumanisme, il en parle publiquement, il explique qu'il est en train de préparer un précis de transhumanisme qui n'a jamais vu le jour, mais quand Coutreau parle du transhumanisme, je pourrais venir dans un instant sur ce qu'il en dit, mais j'indiquerai simplement qu'il a dans son entourage, ils ont son entourage très proche, Aldous Huxley, le frère de Julian, qui est un ami intime, le docteur Carrel, Alexis Carrel, et en arrière-plan, comme figure tutélaire en quelque sorte de cet ensemble, le père Teilhard de Chardin, dont on lit et on commente à l'époque l'énergie humaine. Et le texte évidemment n'est pas à ce moment-là diffusable dans le public, mais il y a dans le transhumanisme que propose Coutreau des éléments évidemment qui sont différents de ce dont on parle aujourd'hui, mais il y a un élément qui me paraît tout à fait fondamental. On parlait tout à l'heure de la question d'une approche un peu religieuse. Coutreau veut construire, en scientiste qu'il est, une sorte de religion de la vérité, et il y a, à travers ce projet transhumaniste, une des variantes de ce qu'on appelait, dans les années 30, l'homme nouveau. Simplement, l'homme nouveau, pour Coutreau, c'est ni l'homme nouveau communiste, ni l'homme nouveau fasciste, c'est effectivement cet homme transhumaniste qui lui paraît le seul avenir possible pour l'humanité et un avenir radieux sous sa plume. Oui, c'est pas non plus l'homme nouveau de Saint-Paul, d'ailleurs. Non, c'est certain. Vous avez cité le nom de Aldous Huxley. Alors, évidemment, Aldous Huxley, c'est l'auteur du meilleur des mondes. Du livre bien connu, Le meilleur des mondes. Je dis bien connu parce qu'on cite toujours en même temps, ou souvent, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley et 1984 oui. de Orwell, alors que ce sont deux livres qui sont totalement différents. Le livre d'Orwell se rapporte à un contexte beaucoup plus contemporain, et qui est essentiellement une critique du stalinisme. Tandis que Huxley, là, c'est vraiment, on est dans la science-fiction, il imagine un monde transhumain, transhumanisé, et c'est un thème qu'on va voir ressurgir dans la science-fiction et notamment dans le cinéma avec cette pléthore de films qui, d'ailleurs, nous ont un peu accoutumés à cette idée qu'on va fatalement dans cette direction. Hein, le genre de film Bienvenue à Gattaca ou des choses de ce type. Donc c'est assez intéressant de voir ces racines historiques. Maintenant, il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant. Ça, c'est dans le livre d'Olivieret. C'est vous montrer bien qu'il y a un double discours dans le discours transhumaniste qui est assez contradictoire, mais révélateur. D'un côté, il y a la promesse formidable de la nouveauté absolue, de la rupture totale. On va sortir de l'espèce humaine, on va rentrer dans des temps qui sont totalement inédits, avec des promesses mirifiques. On va accéder à l'immortalité, personne ne sera plus malade, etc. Bon. Et en même temps, devant les objections, le discours transhumaniste s'inverse brutalement
Et il dit, mais attendez, vous nous critiquez, mais nous ne faisons que emprunter la voie de nos prédécesseurs. Hein, nous sommes deux sur ce plateau à porter des lunettes, ben, donc personne, aucune espèce naturelle ne naît et ne vit avec des lunettes. Donc nous corrigeons, nous avons des montres, et au fond, depuis que l'homme existe, depuis que la technique est à sa disposition, il n'a cessé de corriger la nature et d'essayer d'améliorer la condition humaine par des objets artificiels, des artifices, des protèges et que sais-je encore. C'est-à-dire que le raisonnement consiste à faire comme si d'abord l'ancienne techné, la techné dont parlent les Grecs était identique à la technoscience moderne, mais surtout à faire comme si la prolongation d'une courbe à l'exponentielle n'entraînait pas ce qu'on appelait autrefois le saut qualitatif brusque, c'est-à-dire en fait un changement non plus de degré, mais de nature. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce contraste ? Oui, bah, ça rejoint là vraiment une question qui me tient beaucoup à cœur, que j'avais étudié dans le livre que vous aviez cité au départ, une question de taille, c'est-à-dire le fait que au long de processus continu, certains changements quantitatifs se mettent à entraîner des changements qualitatifs. Pour s'en faire une idée, il est de penser à ce qui se passe lorsqu'on tire sur un élastique. On tire pendant un certain temps, à force de tirer, eh bien, on ne fait que étirer, allonger l'élastique. Et puis à un moment donné, si on continue à tirer, on ne fait rien d'autre que ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire qu'on continue à tirer, et puis à un moment donné, il y a un changement dramatique qui se produit, c'est que l'élastique se casse. On peut penser aussi à ce qui se passe si on met de l'eau dans une casserole et qu'on chauffe. Ben pendant un bon moment, tout ce qui va se produire, c'est que la température de l'eau va augmenter, et puis ben, il se trouve que quand on a la pression atmosphérique normale, quand on arrive à 100 degrés, en fait, on continue à faire ce qu'on faisait toujours, c'est-à-dire à apporter de la chaleur, et tout d'un coup, apporter de la chaleur, ça ne fait plus augmenter la température, mais l'eau se transforme en vapeur. Le phénomène de l'émergence. Oui, voilà, enfin, c'est ce qu'on appelle en mathématiques, en physique, c'est dû à des phénomènes qu'on appelle non linéaires, c'est-à-dire, en fait, quand on est dans cette dynamique non linéaire, justement, il y a certains seuils où une progression quantitative entraîne un changement qualitatif. Et c'est précisément ce sur quoi comptent les transhumanistes pour nous faire changer de condition. C'est-à-dire que, par exemple, quand Ray Kurzweil parle de la singularité, il dit simplement qu'il va y avoir une singularité qui va se quelque chose de radicalement nouveau va se produire quand les ordinateurs atteindront une certaine capacité de calcul. Mais qu'est-ce qu'on aura fait pour atteindre ça ? Simplement continuer le mouvement qui est déjà à l'œuvre depuis plusieurs dizaines d'années, qui est d'augmenter régulièrement la capacité de calcul. Donc, en fait, il compte exactement sur le phénomène que j'ai décrit, c'est-à-dire sur un saut qualitatif engendré par un processus quantitatif. Et donc c'est pour ça qu'il est très malhonnête de leur part lorsque on peut leur émettre des objections que de dire, quand ils se replient sur le fait, ne vous inquiétez pas, nous ne faisons que continuer des choses bien, bien, bien anciennes. Voilà, c'est là où il y a en fait un double langage. Ils vont vous dire effectivement, mais vous parlez des lunettes, mais ils peuvent aller bien plus loin. Ils vous disent que les vêtements, c'est déjà une augmentation de notre corps, les chaussures, c'est une augmentation de nos pieds. Alors effectivement, il y a les lunettes, il y a la crème solaire qui est une augmentation de notre peau, etc. Bon. En fait, ils ne tiennent pas compte. Enfin, ils font semblant de croire que, justement, quand le processus est continu, ce qu'il produit n'entraîne pas de changement qualitatif, alors que par ailleurs, justement, ils comptent sur ces sauts qualitatifs. C'est là où il y a vraiment un double langage de leur part. Ça rejoint un peu, très marginalement, ce que dit Spengler à propos de la technique, puisque pour lui, les objets techniques sont les organes humains, sont les nouveaux organes de l'espèce humaine. L'espèce humaine, ses vrais organes, ce sont des choses artificielles. Mais bon, peut-être. Mais là, une distinction que j'aime bien faire, c'est pour essayer de clarifier les idées, c'est celle entre technique et technologie. Ouais. On pourrait dire que la technique, dans son régime ancien, c'était un ensemble de savoir-faire que les hommes se transmettaient de génération en génération en les améliorant petit à petit. La technologie, c'est quelque chose qui est
vraiment solidaire du logo scientifique qui s'est développé avec l'avènement de la science moderne. On voit bien que ça n'est pas en améliorant petit à petit les techniques traditionnelles qu'on va arriver à construire un ordinateur ou une centrale nucléaire. Il faut à un moment donné complètement se déconnecter de toutes ces techniques pour réfléchir sur les grands principes qui sont à l'œuvre dans la nature, pour imaginer des nouveaux procédés, mais qui ne vont plus être l'œuvre d'individus ou de communautés, mais qui vont être l'œuvre de gigantesques appareils productifs. Et notre rapport à la technique et à la technologie est tout à fait différent, parce que la technique, c'est quelque chose que nous maîtrisons, alors que la technologie, c'est quelque chose dont on peut se servir, mais que personne ne maîtrise. Oui. Cette différence, d'ailleurs, implique une rupture plus générale avec la conception du monde. Bon, pour les anciens, le cosmos était un ensemble harmonieux. Avec Newton et Galilée, on passe à une représentation purement mécanique et mathématique, surtout, du monde. Et surtout, surgit cette idée que le monde est un objet. D'abord, il est muet, il n'a rien à nous dire. C'est un objet appropriable et raisonnable. Hein. Ça, c'est la critique que fait Heidegger de cet arraisonnement du monde, par ce qu'il appelle le Gestell, mais ça nous entraînerait un petit peu loin. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette notion de limite, parce que, au fond, elle est fondamentale dans un monde qui est rentré dans un processus de planétarisation, comme vous dites, puisque vous préférez ce terme à celui de mondialisation. Bah, c'est-à-dire que je trouve que le mot « monde » est un mot trop beau pour précisément être utilisé à ce phénomène terrible qui se produit actuellement. Absolument. Alors, la planétarisation, qui est aussi une diffusion planétaire du mode de production actuel, du mode d'accumulation du capital qui a lui-même besoin pour s'augmenter lui-même de créer toujours des innovations, donc des nouveautés dont on présume ou dont on affirme qu'elles seront meilleures que les outils présents, comme le présent est censé être meilleur automatiquement que le passé. Cette notion de limite, on en parle souvent aujourd'hui parce que on la retrouve dans toute une série de problèmes, finalement. La négation des limites, que les Grecs appelaient la démesure, l'hubris, n'est-ce pas ? La limite, elle est de toutes sortes. Elle est aussi la différence entre l'homme et l'animal, la différence entre les sexes. Et vous montrez très bien dans votre livre que, dans cette perspective transhumanisme, il y a aussi une négation de la sexuation. Il n'y a pas des trans-hommes et des trans-femmes, il y a des trans-humains. Hein. Et la logique même du capital, elle aussi, va vers la négation de la limite, parce que la limite est un obstacle à l'expansion du marché. Et dans un autre domaine encore, l'idéologie du nomadisme planétaire, du no border, hein, pour prendre un slogan actuel, la suppression des frontières, qu'est-ce que c'est qu'une frontière ? C'est aussi une limite. Pas une limite absolue, ça s'ouvre, ça se ferme comme une écluse ou une porte, mais c'est pas un mur, mais c'est pas non plus un pont. Hein. Sur cette notion de limite, comment la négation de limite s'inscrit vraiment dans le projet transhumaniste ? Bah, d'ailleurs, il est même dans le mot, oui. C'est-à-dire que avec le trans de transhumanisme, on voit bien que ce qui est au programme, c'est précisément la transgression des limites. Alors, comme vous l'avez dit, elle est à l'œuvre depuis un certain nombre de siècles. L'exemple que j'aime bien donner, c'est que quand même on attribue à Hercule d'avoir tracé à Gibraltar, sur les colonnes qui portent son nom, la sentence « nec plus ultra », pas plus loin, et au XVIe siècle, Charles Quint prend pour devise de son empire « plus ultra », ouais. Plus loin. Et je trouve que là, on a vraiment, avec ces deux formules, on a ce basculement entre un monde
qui savaient que les choses n'existent que par leur limite, à un monde qui va se mettre à concevoir la limite toujours comme un obstacle à renverser. C'est là d'ailleurs où on voit que cette idée de transgresser la limite est inscrite au programme depuis maintenant plusieurs siècles, et on arrive justement au moment avec le transhumanisme où c'est même les limites de la condition humaine qui seraient à renverser. L'équivalent moderne de plus ultra, qui reste une formule savante puisque c'est en latin, c'est toujours plus. C'est l'idéologie de la performance, toujours plus pris comme équivalent de toujours mieux. Si c'est plus, c'est mieux. Donc la quantité sécrète la qualité. Hein, aussi, il y a une rupture fondamentale. Évidemment, la force de ce discours, c'est qu'on se dit, effectivement, si on peut avoir plus, pourquoi s'en priver après tout ? Mais c'est toujours la question de ce que je pourrais appeler les seuils de contre-productivité, c'est-à-dire qu'encore une fois, au départ, un certain type d'activité va améliorer notre condition, et alors l'idée c'est que puisque cette activité améliore notre condition, plus on poursuivra loin cette activité, plus notre condition s'en trouvera améliorée, sauf qu'il y a certains seuils qui sont franchis, que Ivan Illich appelait des seuils de contre-productivité, où l'activité qui nous servait se met, au-delà d'un certain seuil, à nous desservir. Et voilà. Dans votre livre, vous présentez aussi, allusivement, le transhumanisme comme une sorte de forme moderne de gnosticisme, en expliquant que pour les anciens gnostiques, le monde est mauvais, fondamentalement, il est le résultat d'un acte du mauvais démiurge, et par conséquent il faut tout faire pour y échapper, et vous rapportez cela à une sorte de mépris ou de refus du corps dans ce qu'il est, dans sa finitude déjà, hein. Je veux dire, la grande caractéristique de l'homme, c'est qu'il sait qu'il est voué à mourir et à se terminer, et cette imperfection du corps est prise dans le transhumanisme comme quelque chose d'inacceptable. Et dans un premier temps, on va transformer le corps parce qu'on va le rendre, on va le perfectionner, mais on voit bien qu'au-delà d'un certain moment, le corps lui-même, il faudra l'abandonner parce qu'on aura des substituts beaucoup plus intéressants. C'est vrai que les anciens gnostiques, c'était des gens qui étaient dans une pensée d'un dualisme radical. Il y avait d'un côté la matière qui était du côté du mal, et puis de l'autre côté, il y avait l'esprit qui était du côté du bien. Et ce qu'expéraient les gnostiques, c'est que grâce à une certaine connaissance, une gnose, ils allaient pouvoir libérer leur esprit de sa prison charnelle. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir à l'époque moderne ce gnosticisme revenir, mais sous une nouvelle forme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la puissance technologique réactive cette pensée gnostique avec l'idée non plus que l'esprit va se libérer complètement du corps, mais dans le fait que l'esprit va pouvoir soumettre entièrement la matière à sa volonté. Mais on retrouve tout à fait ce dualisme radical dans ces imaginations qu'on va pouvoir transférer notre cerveau sur un ordinateur, oui, par exemple. Et en fait, on voit que ces gens qui pourraient être considérés comme des matérialistes, en fait, en réalité, ne sont pas du tout des matérialistes, ce sont des spiritualistes radicaux, puisqu'ils imaginent que l'esprit peut avoir n'importe quel support. Oui. Chez Aristote, en fait, l'âme, elle est là pour animer un corps, et une âme humaine, elle est là pour animer un corps humain. Et donc, il y a une profonde solidarité. Il y a bien une reconnaissance d'une dualité entre l'âme et le corps, mais cette dualité, elle s'accomplit dans leur union, et il y a une union qui est profonde entre l'âme et le corps, puisque, encore une fois, le corps a besoin de l'âme pour être animé, mais l'âme n'a pas d'autre raison d'exister que d'animer ce corps. Alors que là, dans cette idée qu'on va pouvoir complètement séparer les deux, là, on voit qu'on est dans une toute autre configuration philosophique. Alors, j'aimerais bien qu'on en revienne un peu à l'intelligence artificielle, parce que Marie-David n'est pas encore intervenue dans notre discussion. Bon, chacun sait qu'on est dans le monde des écrans, les objets connectés, la robotique, l'explosion des interfaces digitales, le stockage des données électroniques par le biais des algorithmes, etc., etc. Une littérature énorme là-dessus. Et se pose le problème de l'intelligence artificielle,
sur laquelle on entend des choses assez effrayantes, mais dont on mesure en même temps qu'elle est déjà rentrée dans les mœurs, ou est en train de rentrer dans les mœurs. Est-ce qu'il est possible de la critiquer? Comment la critiquer? Mais d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, le problème de l'intelligence artificielle, en fait, est très mal posé aujourd'hui, et ce sont toujours les mauvaises questions qui sont posées, et ce qui empêche de voir les vrais problèmes posés par cette technologie. C'est-à-dire, quand on parle d'intelligence artificielle, on arrive toujours à des débats tels que est-ce qu'il va y avoir des machines infiniment intelligentes qui vont soumettre l'humanité, ou les machines auront-elles une conscience? Et en faisant ça, en fait, on oublie ce que vous dites qui est fondamental, qui est qu'en réalité, elle est déjà dans notre vie et elle pose déjà des problèmes très concrets à notre condition. Alors, en faisant ça, je n'ai pas répondu à votre question sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle. En fait, moi, il se trouve que je travaille aussi dans le domaine. Il n'y a pas de définition de l'intelligence artificielle qui fasse l'unanimité. En général, comment est-ce que les chercheurs la définissent ? Les chercheurs disent que c'est le fait pour des machines d'avoir des capacités de raisonnement ou des capacités qui imitent ou qui dépassent ou qui imitent certaines capacités de la cognition humaine. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que par exemple, la personne qui a, je pense, eu les idées les plus pénétrantes sur l'intelligence artificielle, qui en a vraiment compris l'essence, en fait, c'est Alan Turing, avec son concept de machine universelle. Et lui, le terme n'existait pas en fait à sa mort. Donc lui, il parlait toujours de machine intelligence. Et après, le terme a été créé à ce congrès de Dartmouth dans les années 50, où là, les premiers chercheurs ont dit, effectivement, pris de cette espèce de... dans cet envolé dont vous parliez, Olivier, on va dire, c'est fantastique, on va faire des machines qui imitent le cerveau humain. Mais si le terme est si difficile à définir, je pense que c'est pas pour rien. C'est parce qu'au départ, effectivement, on ne sait pas ce qu'est l'intelligence humaine. Et c'est bien parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'intelligence humaine, ni comment elle fonctionne, qu'on arrive si mal à dire ce que serait une intelligence artificielle et que du coup, on peut raconter n'importe quoi. Et, c'est surtout qu'on en donne une définition très réductrice, pour ne pas dire réductionniste, ce que vous indiquez tout à l'heure. L'intelligence ramenée essentiellement à la puissance de calcul, un ensemble de neurones, de synapses, en se disant bah, on va reproduire ça dans les cerveaux artificiels que sont les ordinateurs, et ça va fonctionner beaucoup mieux. Alors effectivement, les turiféraires aujourd'hui de l'intelligence artificielle sont victimes de l'illusion dont parle Olivier Rey, à savoir que le cerveau serait une machine et que penser, ce serait calculer, ce qui est comme un débat philosophique qui vient en fait, qui remonte assez loin en philosophie, ça remonte à toute la tentation de la logique, de se dire, tiens, avec quelques propositions logiques et quelques règles, on va répliquer toute la pensée humaine. Donc ils vivent dans cette première illusion, ils vivent dans une seconde illusion, qui date en fait de la découverte de l'ADN et du code biologique, qui serait qu'en fait, tout l'univers serait réplicable en information, que l'unité de base serait l'information, et qu'en fait, en traitant cette information, on arriverait à résoudre tous les problèmes humains. Ce sont bien sûr deux illusions. Le cerveau, penser, ce n'est pas calculé. La vie n'est pas réductible à un code génétique, elle est justement toujours nouvelle, elle est irréductible à quelque chose de prévisible. Mais comme ils sont visibles, comme ils sont en fait pris dans ces deux illusions et qu'ils vivent effectivement dans un monde où les ordinateurs parviennent avec succès à résoudre des problèmes fondés sur les données, ils en déduisent justement, ils ont une pensée réductrice quoi, qui réduit tout à ça. Oui, mais vous le disiez à l'instant, la thématique de l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement une théorie, c'est quelque chose qui est déjà entré. Alors, il y a des micro-événements comme ça qui frappent l'opinion. Lorsqu'on apprend que l'ordinateur Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs ou le champion du monde de jeux de Go, on dit, vous voyez, les machines vraiment battent les meilleurs, donc elles réussissent mieux. Qu'il y ait des machines qui remplacent l'homme, ça existe depuis bien longtemps, évidemment, mais qu'elle le remplace en faisant mieux, c'est une autre étape, et en concevant mieux, c'en est encore une autre, parce qu'à ce moment-là, on dit elles vont concevoir un langage que les hommes ne pourront plus comprendre, elles se construiront elles-mêmes, et alors là, on retombe sur un grand thème de la science-fiction, c'est-à-dire le remplacement de l'homme par la machine, les guerres des hommes contre les machines, on a vu ça dans tout un tas de films à effets spéciaux, mais il y a quand même là, on peut reprendre les choses plus simplement. Moi, j'ai lu plusieurs auteurs comme Louis Alexandre qui dit, mais il ne faut pas se faire d'illusions, dans 20 ans, tous les métiers qui ne seront pas compatibles avec l'intelligence artificielle auront disparu. Hein ? Alors, en fait, il y a trois problèmes. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Et si c'est vrai, étant donné que ce ne sont pas n'importe quel métier qui disparaîtront, qu'est-ce qu'on va faire ?
de tous ces individus qui n'auront pas la possibilité de se reconvertir dans d'autres métiers, parce que l'argument des milieux libéraux, c'est toujours le même. Écoutez, cher monsieur, hein, regardez la révolte des ludites et toutes ces choses-là, le progrès supprime des emplois, ben évidemment, hein, mais il en crée aussi, par conséquent, ben, on change. Le problème, c'est que la vie rurale a quasiment disparu, mais c'était pas impensable pour un agriculteur de se reconvertir en ouvrier. Hein. Par contre, pour un balayeur, se reconvertir en concepteur de logiciels, ça ne sera pas forcément évident. Donc on se trouve dans le problème de ce que Claude Lefort appelait les hommes en trop. Qu'est-ce qu'on fait avec les hommes en trop? Quel statut on leur donne? Enfin, il y a une succession de problèmes absolument terribles. Non, c'est un point capital. Et c'est tout le problème de la sociologie du travail. Énormément de gilets jaunes. Hein. Alors, en fait, les ludites, c'est un très très bon exemple. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont été traités par l'histoire. Aujourd'hui, quand on parle des ludites... Alors, il faut peut-être rappeler... Alors, les ludites, ce sont donc les ouvriers et artisans. En fait, c'était surtout des artisans, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'ouvriers en usine. Des tisserands, au départ, se sont révoltés contre les premières machines à tisser automatiques en Angleterre, à la fin du 18e, au début du 19e, en Angleterre et en France, et qui détruisaient les machines. France, on connaît les canuts, surtout. Ouais. Et il y en a eu aussi. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les ludites, c'est un peu les gilets jaunes d'aujourd'hui. On dit que c'était des arriérés, ignorants, ils refusaient le grand vent du progrès, ils ne comprenaient pas que c'était pour leur bien. En fait, les ludites, c'était des gens qui étaient détenteurs d'un savoir qualifié, c'était des artisans qui détenaient un savoir extrêmement complexe et qui ont compris qu'avec les machines arrivait quelque chose qui allait être l'automatisation du travail et sa réduction à une série de tâches répétitives. Et en fait, tout ce mouvement qui commence au 19e et qui va aboutir au fordisme, au taylorisme, et en fait qui aujourd'hui a touché le travail dans le milieu du tertiaire, aujourd'hui, si vous prenez le travail de quelqu'un qui est comptable ou qui travaille dans un back-office, il ouvre un système informatique, il copie un chiffre, il le met dans un autre. Et le fait que le travail ait été ainsi taylorisé, automatisé, fait qu'effectivement, ça va être très facile de le remplacer par des intelligences artificielles. Donc les gens ont raison d'avoir peur, et effectivement, on va détruire énormément d'emplois. Et les gens qui disent le contraire mentent, c'est évident. Moi, je travaille dans ce domaine, je le vois tous les jours. Mais c'est parce que déjà, l'artisanat, le travail complexe, en rapport avec la matière, a déjà été complètement détruit par la société industrielle. Ça, c'est le premier problème. Le second problème que pose l'intelligence artificielle dès aujourd'hui, et c'est un problème qui est très très bien expliqué par Eric Sadin dans son dernier livre, c'est qu'en fait, on lui prête une fonction un petit peu de dire les oracles, de dire la vérité, et nous, les humains, on se dépossède de cette fonction. Le bon exemple, c'est la médecine. On dit, oh là là, l'intelligence artificielle, elle est capable de détecter le cancer, les médecins ne peuvent plus le faire. Du coup, ça veut dire qu'en fait, on se met dans une position d'infériorité assumée où le monde est devenu trop complexe, les informations sont devenues trop complexes pour les traiter, et c'est la machine qui va le faire. Mais ça, si on déroule cette idée, ça crée des tas de problèmes. Qui va pouvoir dire la justice dans un tel monde? Quel consensus politique on va trouver dans un monde où finalement c'est l'AI qui aura toujours raison? Et ça, ces problèmes, ils se posent dès aujourd'hui. Aux États-Unis, vous avez déjà des systèmes de justice prédictive avec des algorithmes qui prédisent les chances qu'ont un criminel de récidiver. Du point de vue de la médecine, ça va poser des problèmes. On arrête les criminels avant qu'ils commettent leur crime. Voilà, mais ça, c'est un problème. Dans ce film bien connu. C'est quelle société on veut, en fait. Même si l'intelligence avait, et là je parle au conditionnel, toujours raison, est-ce qu'on voudrait d'une société où finalement on ne laisse plus à des hommes le soin de dire le vrai? C'est-à-dire que les conséquences sont incalculables. Les conséquences sont premières, politiques. Évidemment, c'est la sociologie du travail qui est appelée à se transformer complètement, mais après, il y a une conception, des problèmes beaucoup plus vastes qui se posent, parce que vous créez des nouvelles formes de concurrence dans une société où la guerre de tous contre tous est déjà la loi du genre. Hein. Si vous savez qu'il y a des métiers que des personnes ne pourront jamais occupées parce qu'elles n'ont pas les capacités cognitives pour ça, vous allez vous engager dans une sorte de concurrence générationnelle où on acceptera toute proposition visant à faire en sorte que on intervienne par des manipulations génétiques sur le génome de façon à rendre concurrentiel dans cette société. On va avoir une élite génétique, puis des gens qui seront, comme vous dites d'ailleurs, la formule est très belle, dans l'un de vos textes que j'ai lu, l'homme le rebut du robot. Mmh.
Et ça, c'est vrai que c'est un des problèmes, je trouve, du système technologique, et que la technologie crée des problèmes. Donc là, en l'occurrence, on introduit une intelligence artificielle qui dépasse les hommes dans certaines tâches, et du coup, la réponse doit être technologique. Du coup, on est dans un cercle vicieux. Mais on a ça dans plein d'autres problèmes. Par exemple, la pollution fait que, ou les perturbateurs endocriniens font que la fertilité des couples diminue. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la PMA, l'utérus artificiel, où il y a de plus en plus d'autisme à cause des écrans. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des robots qui tiennent compagnie aux jeunes enfants autistes. Et là, c'est pareil. En fait, la technologie nous met dans un système où on est dépendant d'elle et elle se met elle-même à créer les solutions aux problèmes qu'elle crée. Et du coup, c'est un peu comme quand on parlait tout à l'heure de l'idéologie de la technologie que dénonce Olivier Rey très très bien dans son livre. C'est une espèce de sophistique où il nous montre que la seule solution possible est une solution technologique, donc il faut toujours plus de technologie. Et évidemment, c'est une impasse. Ça fait partie de ces paradoxes absurdes qu'avait très bien dénoncé Ivan Illich à un certain moment. Exactement. C'est le raisonnement du type... on vend les poules pour pouvoir acheter des œufs. C'est exactement ça. L'historien a quelque chose à dire sur ce genre de choses, parce que l'évolution de la sociologie du travail, c'est pas non plus... Mais là, j'avais l'impression, en vous écoutant, de refaire effectivement un siècle d'histoire. Alors, sur la question des ludites, vous avez raison, sauf que quand même, récemment, des historiens comme François Jarige, etc., sont quand même beaucoup revenus sur cette vision extrêmement, extrêmement négative. Mais cela étant, sans que ce soit obsessionnel chez moi, je reviens au cas de Coutreau. Coutreau, c'est un taylorien et un rationalisateur, au départ, dans les années 20. Il se retrouve confronté à la question du chômage, évidemment, des années 30, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire une rationalisation industrielle qui va vers la rationalisation universelle. Et de ce point de vue, il y a évidemment des différences entre le transhumanisme de ces années 30 et le transhumanisme des années 50 et surtout suivantes, à cause effectivement de la question de l'informatique, qui ne se pose pas à ce moment-là, des enjeux de la cybernétique qui ne se posent évidemment pas dans ces mêmes termes, et j'ajouterai aussi la question de la miniaturisation. Il n'en demeure pas moins que les débats que nous venons d'avoir sur la question des limites sont des débats qui sont déjà posés. En 1935, quand Coutreau publie « De quoi vivre », qui lui répond? Le peu de gens qui lui répondent. C'est Thierry Molnier dans la Revue Universelle qui met en avant toute la question des limites de la raison, dont Coutreau fait un véritable absolu. Et de ce point de vue, je crois qu'effectivement, il y a plusieurs façons d'arriver vers le transhumanisme et de définir ce dernier. Il n'en demeure pas moins qu'il y a, me semble-t-il, quelque chose à creuser du côté d'un rapport à la science, d'une forme, au fond, de messianisme scientiste. Je crois qu'il faut dire les choses assez clairement. Alors, après, j'ajouterais d'un saint-simonisme mal compris. Enfin, on peut, évidemment, préciser les choses. Mais ce qui me paraît tout à fait évident, c'est que ce à quoi nous assistons me paraît être, quelque part, davantage le prolongement d'un certain nombre d'éléments qui étaient déjà en germe que une espèce de création ex nihilo née de la fin du 21e, de la fin du 20e siècle et du début du 20e siècle, du 21e. Ce n'est pas parce que les transhumanismes, au fond, ont un rapport à l'histoire qui, effectivement, est chez eux, est fait d'une ignorance et d'un désintérêt, que nous devons les prendre au mot. Tous ces acteurs qui se décrivent comme sans racines ou qui vont effectivement aller puiser dans leur propre cadre référentiel n'interdisent absolument pas à d'autres, notamment aux historiens, d'aller souligner un certain nombre d'éléments de continuité qui me paraissent tout à fait évidents en vous écoutant. Alors, il y a aussi un autre aspect qu'on peut évoquer rapidement, c'est la dépolitisation. Car finalement, on retrouve dans le transhumanisme une négation du politique dans ce qu'il a de plus spécifique. Il peut y avoir une dépolitisation par la technocratie, une dépolitisation par la morale, par les droits de l'homme, par l'économie. Là, on est devant une dépolitisation par la technologie, qui rejoint cette idée foncièrement impolitique, comme l'aurait dit Julien Freud, que les questions politiques sont en dernière analyse des questions techniques, administratives, avec le vieux rêve, un peu saint-simonien effectivement, de substituer la gouvernance au gouvernement, les choses aux hommes, et la simple gestion administrative à la vie politique elle-même. Et ça, je crois que c'est un aspect important.
Oui, tout à fait. Il faut bien voir qu'encore une fois, les promesses les plus spectaculaires lancées dans l'espace public par le discours transhumaniste sont des promesses totalement fantaisistes. L'idée, encore une fois, de l'immortalité, de la disparition de toutes les maladies. Il y a quelque chose d'ailleurs de vraiment obscène quand on voit que les transhumanistes promettent cette vie sans maladie et de venir au bout de la mort, à bout de la mort au moment même où aux États-Unis, depuis un certain nombre d'années, l'espérance de vie est en train de diminuer. Oui, enfin. Mais donc ces promesses-là sont là pour arracher le consentement des populations à la poursuite d'un processus dont les populations commencent à se rendre compte que le bonheur promis ne sera pas au rendez-vous. Et en fait, ce qui se dessine derrière cela, c'est pas du tout le triomphe d'une post-humanité, mais c'est plutôt la déchéance de l'humanité au statut d'animal monitoré. Ouais, si vous voulez, Google se lance à corps perdu dans cette... à corps perdu, c'est le cas de le dire, dans cette histoire. Par exemple, Google a recruté à travers sa filiale Verily, filiale santé, une cohorte de 10 000 personnes qui se sont engagées pendant plusieurs années à être suivies. Alors donc, elles ont une montre connectée qui en permanence surveille un certain nombre de leurs paramètres physiologiques. En même temps, ils seront suivis très étroitement avec des visites médicales, des questionnaires, etc. Et alors, le but poursuivi, c'est de réaliser ce que Google appelle une cartographie de la santé humaine, qui en fait, ce sera simplement une mise des corrélations établies entre un certain nombre de paramètres et puis le risque d'apparition de telle ou telle pathologie. Mais ce qui nous promet en fait une condition où nous serons en permanence monitorés justement, oui. Et à chaque instant on nous dira, ben, vous n'avez pas marché assez aujourd'hui, vous devriez manger absorber des oméga 3 ou des oméga je ne sais combien, etc. Et alors peut-être il est possible que moyennant toutes ces directives on arrive à gratter quelques années supplémentaires, mais en réalité on aura une vie complètement ravagée par le fait que de toute façon, comme le disait Ivan Illich aussi, la véritable santé, c'est quand on ne se soucie pas de sa santé. Or là, à partir du moment où ça deviendra un souci permanent, il n'y aura plus jamais de santé. Et puis là, effectivement, ce qu'il y a derrière, c'est la dissolution totale de toutes les questions politiques dans le thérapeutique. Un autre exemple qui va dans le sens de ce que vous citiez à propos de l'infertilité ou bien de l'autisme, c'est la ritaline. En fait, aujourd'hui, les enfants, et même temps, évidemment, qui grandissent, qui deviennent des adultes, souffrent de plus en plus de troubles de l'attention qui viennent du monde dans lequel nous sommes appelés à grandir et à évoluer. Et alors, de plus en plus d'enfants aux États-Unis sont soignés à la ritaline, mais maintenant des étudiants également sur les campus américains, enfin, il y a tout un trafic de ritaline pour essayer d'arriver à se concentrer sur les cours. Et là, en fait, vous voyez que au lieu de mettre en cause le cadre général dans lequel nous sommes amenés à vivre et qui ne correspond pas à nos facultés naturelles, eh bien, on va mettre un patch chimique pour essayer de remédier au problème. Et après, il y aura l'oxytocine pour améliorer nos sentiments vis-à-vis des autres. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est des recherches actuelles pour essayer de rendre les populations caucasiennes plus ouvertes aux migrants. Voilà, ça, c'est des recherches qui sont menées en Allemagne. C'est encore autre chose. Mais un autre sujet sur la politique, c'est aussi le monde des écrans, le monde de Facebook. C'est un monde où, en fait, les gens vont vivre dans une bulle au milieu de gens qui pensent exactement comme eux, et les gens ne vont plus tolérer le conflit. Or, le conflit est l'essence, en fait, de la politique. Ce qui est effrayant, d'ailleurs, c'est que les gens, par le biais des réseaux sociaux, sont les premiers à contribuer à être fichés par toutes les informations qu'ils donnent et qu'ils vont ensuite traiter par les algorithmes. Mais mettons ça de côté. On voit très bien, en fait, effectivement, en quoi la promesse mirifique de l'homme augmenté débouche sur l'homme diminué, c'est-à-dire où l'homme perd le statut de sujet pour être complètement transformé en objet. Donc il y a une radicalisation de l'aliénation qui est absolument... une régression vers l'infra-humain qui est absolument considérable. Mais un mot encore à propos de la mort. Quand on dit on va faire disparaître la mort, hein, le thème transhumaniste, par exemple, de la mort, hein, c'est-à-dire la mort va disparaître, sauf une qui sera la mort de la mort. On peut dire
Ben, ça rejoint un vieux rêve, le rêve de jeunesse éternelle, d'immortalité, etc. C'est pas exactement cela, parce qu'on savait bien que c'était un rêve, donc c'était un motif de représentation. Bon, aujourd'hui, en revanche, le statut de la mort a changé. Hein. Elle est niée et dissimulée. Et comme par ailleurs, les gens pensent qu'il n'y a rien après la mort, et surtout qu'il n'y a rien de pire que la mort, par conséquent, la mort devient inadmissible. Elle est scandaleuse, alors qu'autrefois, elle était perçue, certes, comme une perspective plutôt désagréable. Hein, tant qu'à faire, on aimerait mieux repousser encore un peu, hein, encore un peu de temps, monsieur le bourreau. Mais, bon, on savait bien que, généralement, tout le monde meurt. Bon. Tandis que maintenant, il n'y a plus de corbillards dans les rues, ils sont devenus des camionnettes comme tout le monde, dans une couleur pas trop sinistre, pour ne perturber personne. On ne meurt plus chez soi, dans la grande majorité des cas. Donc la mort n'est plus présente dans la vie. Hein. Autrefois, tout le monde dans sa vie avait vu un mort, au moins, hein, un parent, un cadavre. Bon, aujourd'hui, il y a une foule de gens qui n'ont jamais vu un mort et qui n'en verront sans doute jamais. Donc le discours transhumaniste s'articule assez aisément sur cette transformation des représentations de l'imaginaire symbolique pour dire bah, « vous avez raison, mais de toute façon, vous faites de confiance, on va supprimer tout ça hein ». Alors, il ne nous reste pas énormément de temps, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur une objection. Ce n'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de très préoccupant. Sur ce plateau, dans l'ensemble, nous sommes très critiques vis-à-vis de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, etc. Alors, il y a l'argument suprême, mais écoutez, mes chers amis, il a beau être critique ou ronchonneur, de toute façon, on y va obligatoirement, c'est inévitable. Alors, je sais bien ce qu'il peut y avoir de faux dans cet argument qui, finalement, ne devrait pas être plus convaincant que les arguments de Mme Thatcher lorsqu'elle nous disait qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça ou rien. Néanmoins, on est devant un phénomène qui est particulier, qui est le phénomène de la technique. Il y a un auteur très important là-dessus, c'est Friedrich Georg Jünger. Ce Jünger, c'est le frère de l'écrivain Ernst Jünger, qui a une œuvre considérable, aussi importante que celle de son frère, mais qui n'a été que très peu traduit. Et il a publié un livre, dont on attendait la traduction depuis 70 ans à peu près, qui vient de sortir aux éditions Alia, A2LIA, c'est « La perfection de la technique ». Et ce livre a été traduit dans beaucoup de langues dans le monde. Il est paru, enfin il y a eu plusieurs éditions, mais disons l'édition définitive, je crois que c'est en 1949. Et dans ce livre, Friedrich Georg Jünger apparaît comme un très grand précurseur de la décroissance, de l'écologie, des limites, etc. Mais en même temps, le titre de son livre, « La perfection de la technique », s'explique de la façon suivante. Le trait fondamental de la technique, c'est que tout ce qui devient techniquement possible sera concrètement réalisé. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'une technique devenue concrétisable qui n'a pas été concrétisée. Et c'est en cela que résout la perfection, le mot perfection étant évidemment plutôt péjoratif dans le langage de Jünger. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez de cela. Je crois que d'ailleurs ce principe a été reformulé sous une autre chose par la loi de Gabor ou quelque chose comme ça. Oui, oui, tout à fait. Vous me corrigerez si je me trompe. Est-ce que les critiques tombent à plat ? Je ne parle pas des projets les plus extravagants qui restent encore aujourd'hui, fort heureusement, plutôt de la science-fiction et éventuellement distrayant à ce titre, mais je parle des applications à court et moyen terme, et notamment sur le plan thérapeutique. Je pense que les gens sont extrêmement sensibles à l'aspect thérapeutique. Des parents à qui on dit, bon, voilà, vous attendez un enfant, si on fait une petite manipulation génétique, on va, les 10 maladies mortelles les plus courantes, il ne les aura jamais. Quel est le parent qui va dire non, je refuse ? Très peu, très peu.
Si on leur dit, ah ben, votre fils, là, il va mourir, mais si on lui greffe un organe de cochon ou de phacochère, je ne sais pas, ben, les gens sont prêts à tout, évidemment. Hein. Alors, est-ce que c'est inévitable ou non? Là, je me tourne vers tous les trois. Moi, Marie-David. Je trouve qu'on retrouve le débat qui a eu lieu au moment du Conseil national de la bioéthique, où toutes ces questions ont été soulevées devant un panel de gens, et on voit qu'il y a deux conceptions, effectivement, du monde. Il y a les gens qui, comme vous dites, ne vont jamais dire non à un progrès, quelles que soient les conséquences morales, anthropologiques. Et effectivement, face à ces gens-là, on ne peut rien faire, parce qu'on trouvera toujours un cas d'application à une technique qui sauve une vie ou qui a un effet positif. Et il y a les gens, et en l'occurrence, dans le cas des débats bioéthiques, c'était effectivement des chrétiens, qui disent, eh ben nous sommes prêts, nous sommes des parents et nous sommes prêts à ce que notre enfant naisse avec un handicap parce qu'il a des principes qui nous paraissent vraiment irréductibles, oui, contre lesquels on ne cédera pas. En même temps, c'est un argument. Donc, il faut la foi chevillée au corps. Hein, je veux dire, non, je pense que c'est une conception. C'est une question. En fait, je pense que c'est une question politique au fond. C'est quelle société voulons-nous? Quelles sont les conséquences de ces décisions? Quelles sont les conséquences pour la société? Et quelles sont les valeurs de cette société? C'est pour ça que, quand vous disiez qu'il y a effectivement une dissolution du politique, ça va ensemble, en fait. Dans un monde de moins en moins politisé, où la politique n'adresse plus ces questions parce qu'elle n'en a pas les moyens ou pas le temps, effectivement, ça laisse le champ libre au progrès qui arrive comme un bulldozer. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que ce sont des questions qui devraient être portées par un débat politique parce qu'elles engagent une société sur ses valeurs. Oui, mais alors là, deux remarques. La première, c'est que les comités de bioéthique, on sait ce que ça vaut. Je crois que c'est vous qui écrivez que les comités bioéthiques, ce sont des comités qui entérinent ce que toute véritable éthique condamne, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils ont été créés. Oui, sans aller jusque-là, disons que les bioéthiciens se contentent de courir après des avancées qu'ils ne rattrapent jamais. La deuxième, c'est que l'argument que vous donnez, que je trouve très respectable, n'est pas très convaincant parce que, il y a aujourd'hui de moins en moins de trisomiques 21, parce que 95% des femmes à qui on annonce ça choisissent l'avortement, hein, quel que soit le jugement qu'on peut porter là-dessus. Mais d'un autre côté, c'est pas tellement étonnant. Donc, si la seule réponse c'est de dire, mais écoutez, il faut résister, même si ça se traduit par des choses extrêmement pénibles et désagréables, c'est un peu comparable à dire, vous avez le sida, il y a une maladie, on pourrait vous donner un traitement, mais peut-être que pour des raisons morales, estimez que vous êtes puni, alors vous allez y renoncer. Bon, c'est pas... Ça touche pas les foules, ce genre de choses. Le problème, c'est la frontière, parce qu'en fait, déjà, bon, je pense pas que les familles qui ont des enfants trisomiques diront tous que c'est un drame de leur vie, ni que c'est un événement indésirable, et des familles qui sont très heureuses. Et le second point, c'est où mettons la frontière? Aujourd'hui, on détecte la trisomie 21. Demain, on va détecter quoi? Qu'un enfant aura plus souvent la grippe ou qu'il aura un QI légèrement inférieur à la moyenne et du coup, il ne naîtra pas. On voit bien qu'à partir du moment où on n'a pas une vision extrêmement stricte de la limite, justement, on ne saura pas tracer la frontière, on demandera toujours plus et on va finir, en l'occurrence, dans une société eugéniste et sans doute menée par l'argent, par des considérations financières. C'est un débat connexe, comme également tout ce qui a trait à la marchandisation du corps, de ces choses-là. Mais c'est un autre débat, d'une certaine façon. Il faut qu'on reste un peu sur le transhumanisme et sur toutes ces nouvelles techniques. Donc, est-ce qu'on peut éviter? Est-ce que c'est inévitable ou est-ce que c'est un combat d'arrière-garde de le dire? En fait, pour ce qui est du transhumanisme, en fait, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas se laisser leurrer par les promesses spectaculaires qui ne se réaliseront jamais. En fait, c'est un peu un grand récit de remplacement qui est développé lorsque les précédents ont perdu leur crédibilité pour essayer, encore une fois, d'arracher l'adhésion des populations à la poursuite d'une certaine dynamique face à laquelle elles auraient tendance à être de plus en plus réticentes. Alors, l'argument thérapeutique, il est très important parce que c'est aussi un des grands moyens qui est utilisé pour arracher l'adhésion des personnes. Mais il ne faut pas se leurrer. En fait, si vous voulez, c'est un argument, encore une fois, pour faire consentir à un mouvement qui va bien au-delà du thérapeutique. En fait, ce qui est en jeu, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est vraiment la grande question à laquelle on est confronté, c'est que d'un côté, on se rend compte que le développement technologique, au-delà de certaines limites,
se met à menacer l'humanité et et même plus globale, la possibilité de toute vie supérieure sur Terre, puisqu'on voit que les écosystèmes sont entrés dans un état de vulnérabilité critique. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer au XXIe siècle. Beaucoup de gens sont extrêmement inquiets. Mais d'autre part, ce qui nous rend si difficile de résister à ce mouvement, c'est que la technologie est en même temps une très grande pourvoyeuse de puissance. Et donc toute communauté qui prétendrait se mettre à l'écart de ce mouvement en se disant « non, maintenant on en a assez », en imaginant même que politiquement elle arrive à se déterminer, en fait, elle risquerait de se retrouver exactement dans la situation des pays extra-européens au XIXe siècle, qui ont été colonisés par les Européens, simplement parce que les Européens débarquaient chez eux avec des armes beaucoup plus efficaces grâce à leur technologie, ce qui est passé pour la Chine. On ne peut pas comprendre aujourd'hui l'ivresse technologique de la Chine si on ne prend pas en compte que les Chinois ont vécu le siècle 1850-1950 comme une humiliation absolue, et à juste titre. Comme la guerre de l'opium, c'est quand même quelque chose d'absolument monstrueux. Et donc là, en fait, je pense que ce qui fait qu'on n'arrête pas la technologie, ce n'est pas tellement une question qu'on y adhérerait ou pas, c'est la puissance qu'elle apporte. Et alors maintenant, on voit que d'un côté, la technologie continue d'apporter de la puissance, mais de l'autre, elle pose des problèmes de plus en plus gigantesques dans l'exploitation de la nature, les dérèglements des équilibres naturels, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation très délicate où à la fois, on est pratiquement obligé de garder un certain niveau technologique pour ne pas être écrasé, mais en même temps, je pense qu'il est extrêmement dangereux aussi de mettre tous ses œufs dans le panier technologique, parce qu'on ne sait pas de quoi le XXIe siècle sera fait, et que sans doute qu'à un moment donné, par exemple, vous savez, il y a une histoire qui est très amusante, c'est Hillary Clinton qui est au Bangladesh. Alors elle était là avec une fondation qui finançait du microcrédit pour des femmes en particulier, qui leur permettait d'acquérir quelques animaux, enfin bon, et de faire prospérer un petit peu leur affaire. Et alors, Hillary Clinton, leur rendant visite, en fait, les interrogeait sur leur mode de vie. Et elle se rendait compte que c'était quand même un mode de vie très, très, qui restait extrêmement rustique, quoi. Elle n'avait pas de machine à laver, elle n'avait pas tous ces instruments-là. Et en fait, il y a une femme quand même du village qui a demandé à Hillary Clinton « Et vous, est-ce que vous avez une vache ?» Et non, Hillary Clinton n'avait pas de vache. Alors évidemment, quand on vit à Washington, elle n'a pas besoin d'une vache, puisque en fait, le lait lui est livré à domicile. Mais il n'empêche que le lait, il est quand même produit en dernier ressort par des vaches. Et rien ne dit qu'à un moment donné, au XXIe siècle, on va se retrouver dans une situation où la personne qui a une vache est dans une meilleure situation que la personne qui a tous les gadgets électroniques, mais qui n'a plus de courant dans les prises. Voilà. Voilà. Bon. Je suppose que l'interlocutrice de Hillary Clinton en a conclu, à juste titre, sans doute d'ailleurs, que c'est une femme vraiment très pauvre. Exactement, exactement. Elle n'avait même pas une vache. Parce que l'argument de l'inévitabilité se retourne. Car si cette progression est inévitable, ces revers peuvent aussi être inévitables. Plus c'est complexe, plus c'est fragile. Voilà, exactement. Et ce qui confère la puissance confère aussi de la vulnérabilité grandissante. Mais bon, c'est un thème qu'on n'a pas le temps de voir tout à fait dans le détail. Pour conclure, Olivier Dard, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, mais d'un mot, puisqu'on parlait de toute une série d'auteurs, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, en ajoutant peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être une disponibilité, me semble-t-il, supérieure à des discours critiques à ce qui pouvait exister il y a quelques années. Je pense en particulier à la façon dont avait été reçu, ou plutôt pas reçu ou mal reçu, le livre de Bernanos sur la France contre les robots, qui est un livre absolument essentiel sur le sujet, et qui est aujourd'hui, qui non seulement a été réédité, mais qui est repris, commenté, et qui pose un certain nombre de questions tout à fait essentielles, qui étaient celles effectivement des années 40, mais ces années 40 étaient aussi celles d'un certain nombre de figures dont on a parlé. Alors effectivement, il faut lire ou relire La France contre les robots de Bernanos, et puis je voudrais signaler un livre de Jean-François Bronstein qui s'appelle La philosophie devenue folle, sous-titre Le genre, l'animal, la mort, c'est paru aux éditions Grasset, et c'est un livre très intéressant
qui rejoint beaucoup des débats que nous avons abordés aujourd'hui, et sur la manière notamment dont, autour de la notion de théorie du genre, de droit des animaux, de etc., on voit aujourd'hui se développer tout un tas de philosophies très contestables, et également autour du transhumanisme. Donc moi je conseille ce livre, Jean-François Bronstein, La philosophie devenue folle. Puis je voudrais, pour conclure, faire une petite remarque personnelle. Cette montée démoniaque ou démonique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, d'une technique qui devient folle, peut susciter des réflexions différentes. Du point de vue de la pensée chrétienne, quand Dieu s'efface, c'est que l'homme cherche à prendre sa place. L'homme veut devenir Dieu, homo deus, pour rappeler le titre d'un livre récent. Dans la pensée de l'Antiquité, lorsque les dieux s'effacent, ce n'est pas l'homme qui prend la place, ce sont les titans. Et cette opposition symbolique des titans et des dieux, on la retrouve, alors là, précisément chez les frères Jünger. Et Ernst Jünger dit, les dieux anciens s'évanouissent, les dieux futurs ne sont pas encore nés, et entre-temps, nous avons le règne de la brutalité, de ces forces, je ne sais pas si elles sont tellement telluriques, mais en tout cas, c'est les titans, que dans les mythologies, on appelle aussi parfois les géants, et que les dieux ont combattu pendant des millénaires, la lutte des dieux et des titans. Et aujourd'hui, le règne déchaîné de la technique, c'est l'entrée dans le monde des titans. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.